C'était Avicii et Rita Ora avec Lonely Together. Direction tout droit la météo de Lana. La météo présentée par Lana. Alors depuis lundi, je suis en vacances, alors forcément, je sors, je fais les magasins et mardi, dans une galerie marchande, j'ai une dame d'un certain âge qui m'interpelle et me dit « Dis donc, c'est toi Lana sur RC2 ?» Alors moi, choquée et puis fière, hein, je lui dis oui. Et là, le drame, agression totale. Alors voilà ces mots. Alors déjà, hein, pour commencer, je te tutoie, hein, car je pourrais être ta grand-mère. Bref, je m'appelle Madame Choupette et je voudrais te dire quand même deux mots. Arrête avec ton sourire niais quand tu nous annonces de la pluie et des températures basses. On n'en peut plus. Et pour ton information, moi aussi, je peux te dire une statistique comme le jeu des quatre questions pour par notre ami Calio, Colio, Culio. Madame, c'est Kélio. Oh, tu te tais, hein. Depuis le début de l'année, nous avons eu 10 heures de soleil contre 58 heures de soleil l'année dernière, à la même date. Donc je te préviens, hein, Lana, hein, si tu nous annonces de la pluie ce week-end, tu m'enlèves ce sourire de ta bouche. Allez, on fait une photo et tu files. Donc moi, j'attends, hein, qu'elle sorte son portable pour un selfie. Elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Donc je lui dis « Bah, j'attends la photo. » Elle me répond « Ah bah, tu crois que la cabine photographique va venir à toi ?» J'avoue qu'elle m'a bien fait rire. Bon, elle m'a fait peur. Et du coup, je profite d'être derrière le micro pour lui répondre. « Madame Choupette, je suis heureuse de vous annoncer que durant tout le week-end, le ciel fera des caprices. Précipitations, nuages et températures basses sont au programme et je garde le sourire, Madame Choupette. La météo, ce sera très rapide, hein, ce week-end. Moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Gardez près de vous votre parapluie, il sera votre meilleur ami. Pour samedi, le ciel sera très nuageux avec des précipitations tout au long de la journée et des rafales de vent sont prévues près du littoral. Côté température, on ne dépassera pas les 10 degrés. 6 degrés pour Vernon, Évreux, Conchanouche, Bourterouble, Les Anglis, Fontaine-le-Dain, Yvetot, Ris, 7 degrés pour Rouen, Bolbec, Le Havre, Bernay, Louviers, Le Neubourg et 8 degrés pour Brionne et Pont-Audemer. Alors, vous connaissez la chanson de Claude François ? C'est la même chanson. Bah là, ça sera « C'est la même ». Météo pour dimanche, hein. Vous avez vu Madame Choupette, avec le sourire et en chanson. Les précipitations, seront toujours bien présentes et les températures resteront stationnaires pour les deux départements. Alors Madame Choupette, puisque vous me parlez des chroniques des animateurs, je demanderai bien à Aurélie de faire une chronique spécialement pour vous. Des conseils pour ne pas être grincheux lorsque le temps est pluvieux. Je pense que ça peut vous être utile. Moi, la météo n'a aucun impact sur moi. Je garderai mon sourire, je continuerai à faire le clown. Et encore plus aujourd'hui car c'est l'anniversaire de mon papa. Alors papounet, je sais que tu m'écoutes donc je te souhaite un joyeux anniversaire. La pluie ne m'empêchera pas de te rejoindre et de passer un excellent moment dans la joie et dans la bonne humeur comme à notre habitude autour d'un bon jus de raisin. Il suffit parfois de se retrouver avec les gens qu'on aime pour retrouver de la chaleur humaine. Et ça, ça vaut bien plus qu'un 25 degrés dehors ou un soleil de plomb. Et bah bravo pour cette météo, voilà. Lana. Elle était très très bien. Alors, Papounet, il se prénomme comment, Marc. Du coup quoi. Marc, bien, alors, bon anniversaire. Il a quel âge, Marc? 56 ans. Aujourd'hui. Oui, voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Marc. Ouais, et puis, on attend votre bouteille. Voilà. Bah ouais, pas de problème. Et ben, lui, il va dire oui, il m'a envoyé un message. Hein, toujours partant. Hein. Bon, mon Steph, est-ce que es réglé sur le petit portable Zanarelli? Voilà, jusqu'à appeler, j'appuie. C'est bon, oui. Vas-y, c'est allez, parti, c'est parti, hein, c'est à toi. On va appeler cet artiste qui se produit donc la semaine prochaine, le 26 janvier à Barentin, ouais, au théâtre Mondori. Alors tu gères le truc, mon Steph, hein, voilà. Attention. Allô, Olivier ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue dans le talk show. Voilà, on a annoncé que tu passais chez nous le week-end prochain, dis-nous-en un petit peu plus. On est en direct ? Oui, voilà, oui, pardon. Tout le monde est là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Eh bien oui, donc la semaine prochaine, dans une semaine, je suis en concert à Barentin, dans un théâtre, à partir de 20h ou 20h30. C'est vous qui avez les infos sous les yeux. 20h30. 20h30, voilà. Au théâtre Mondori de Barentin.
Voilà, donc ça sera un concert de chansons françaises avec des extraits bien d'un album qui est sorti en octobre, qui s'appelle L'écho des vertiges, que j'ai pu enregistrer avec l'équipe d'Élodie Frégé et de Patrick Bruel. Et puis aussi des reprises hommages d'artistes à Serge Gainsbourg, à Claude Nougaro, à Véronique Sanson, des chansons bretonnes. Ah, c'est sympa. Bref, hein. un panel de différentes chansons. Voilà, il y a un petit peu de tout. Voilà, c'est le week-end prochain à Barentin. Rappelle-nous la salle. Donc c'est au théâtre. Au théâtre de Barentin. Théâtre Mondori. Mondori. Voilà, tout le monde. Voilà, c'est ça. Tout le monde là-bas. Alors, on te souhaite un bon concert. Et puis. Donc, on est invité, bien évidemment. Vous êtes invité ? Non, on travaille, on sera là, nous. C'est à 20h30. Je suis déçu. Sauf que c'est le samedi. Donc, ouais, on sera c'est pas samedi. Là. Ah, je suis nous non plus, on sera pas là. On s'est trompé de date. Alors, voilà, je te dis un bon courage. Et puis, à la prochaine fois, alors, bisous. Et oui, merci beaucoup à vous et puis à tous les auditeurs. Passez tous une bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée. Bon, bah parfait. C'était le petit. Zanarelli. Il a pas de prénom, ce monsieur-là ? Olivier. Olivier, le petit Olivier. Voilà. Ah. Tu fais de la pub là, encore c'est pas petit. Bien. C'est vrai ? Ah bah oui. Oh dis donc. Attends. Bon allez, départ dans le prochain quart d'heure de cette émission pour rejoindre les conseils d'Aurélie qu'on attend avec impatience ce soir. Oui. Et on se le fera avec Tilias et Dimelo.